qui est précieuse à l'intérieur. Passe à Dutey, justement, la belle passe sous le cercle et avec l'appui de la planche. De nouveaux points inscrits. C'est toujours précieux ces ballons récupérés. Pas de points encore marqués par la Gel dans ces deux premières minutes. Peut-être à 3 points. Et c'est réussi magnifiquement par Rachid Souleymon. Ça va repartir avec Mac à l'écran de passe à Dutey. Mac qui écarte là-bas. Allez, on revient dans le trafic à l'intérieur. C'est bien fait sous le cercle. Un panier déjà vu par Wojciech Kosicki il y a quelques instants. C'est... Allez, Axel Julien, justement, ça bouge. Et c'est bien fait, magnifique, le premier dunk signé Eric Mika. Le bel appel. Mangin. Passe à Dutey. Mangin à nouveau. Allez, le bel écran. Ah, la passe imprécise. La contre-attaque à mener avec Axel Julien. La passe après. Oh, showtime. Allez, le slalom dans la défense, pas de contre possible. Bien déposé d'un joli double pas, ce ballon. Un qui a déclenché un joli play-up juste avant. Sheldon Mack à 3 points. 12 à 7. Et sur un 0-7 dans ce deuxième carton difficile. Et là, ça passe encore à 3 points. Et ça fait 10-0. Allez, le système annoncé de main droite par Mangin. Je demande aussi à ce que ça ressort probablement. Sheldon Mack à 3 points, à 2 points, pardon. À 2 points, il avait le pied à l'intérieur. Vous avez vu la dureté de l'arbitre. On met beaucoup d'énergie dans toutes les phases. Vous voyez, hein, sur ces ballons peut-être parfois imprécis, mais qui permettent d'être conservés. Et Sheldon Mack derrière à 3 points. On peut ajouter 2 points. Peut-être le cas pour Julien à la passe. Et le dunk, Eric Mika, pour semer la révolte. Il l'avait déjà montré dans le premier carton. Passe à Dutey qui lui remet. Mangin qui fait le tour. Et ballon perdu par Passave Dutey. La contre-attaque à mener. Et le dunk. Les applaudissements. Avec Mangin, la belle passe. Passave Dutey là-bas au fond. Cette tentative à 3 points réussie par le SSM. Et bien qui, justement. Passave Dutey, la remise instantanée. Les passes rapides du mouvement. Du rythme, on revient à l'intérieur, on en ressort à 3 points. Oh, c'est réussi encore une fois. Pour être un peu plus serein. Et c'est malheureusement manqué pour les Burkiens. Là-bas décalé David Davis. Oh, 3 points, 3ème 3 points consécutifs. Passage du Dutey, les deux anciens dressants. Ah, l'interception. Sur cette passe bien lue et bien sentie, la contre-attaque à mener, le 3 contre 2. Et Dalton qui a été trop court, mais voilà. Et voilà, c'est toujours celui que je vous nomme. Et à 3 points David Davis, il va pas nous refaire le coup, mais si monsieur David Davis. Oh là 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 là, il nous refait le coup à 3 points. Possible par cette transmission du ballon, par ses courses, par ses possibilités, Jacoré Williams. Et on a vu ce geste de la tête, cette hargne, cette volonté d'y croire encore. Ancien joueur du PAOK notamment, ça veut dire. Avec Ouh, à 3 points, le portel encore pour mener à nouveau de 10 points. Et c'est ça vraiment aussi. Belle efficacité qui contraste avec le 2 sur 16 à 3 points de la JL dans ce match. Et en plus de cela, ce ballon était rentré. Allez, Nguama pour le SSM. Et à 3 points, le SSM. Et ça passe encore. Et ça passe encore. Les pierres Pelos contre des vitesses. Pelos, quoi ça, passeur du Dutey, le compte, c'est énorme. Ils prennent des rebonds offensifs maintenant, en plus les joueurs du portel, ils enquillent derrière et voilà. Et voilà. Et voilà. Ça passe encore à 2 points. Faut se battre jusqu'au bout, même si c'est dur. Benitez à la passe, chassant au duel au défi. Et qui réduit l'écart. Le portel, ce sera 2 points et 3 points. 2 points, ouais. Ouais. Mais à beau, longue distance. Et là, ce 2 points réussi après avoir beaucoup bataillé du côté de la JL. Les Portelois, à beau à 5 sur 9 dans ce registre. David Davis à 4 sur 6. Sheldon Mack à 2 sur 3. Wojciechowski à 1 sur 1. Pour ajouter 2 points supplémentaires, les 2 derniers points de Bourg dans ce match qui était signé Eric Mika. À moins que, peut-être là. Et c'est manqué par le jeune Hugo Cossé qui venait de faire son entrée.